Bernard Tapie a tout fait pour partir en paix. Au cours de l'émission En aparté, diffusée sur Canal+ ce lundi 16 janvier, Basile Boli, grand joueur de l'Olympique de Marseille durant l'époque de Bernard Tapie et ami de l'homme d'affaires, est revenu sur cette période difficile d'octobre 2021, où l'ancien patron de l'homme était malheureusement mourant dans son hôtel particulier à Paris. Présent lors des derniers jours du Magna, Basile Boli a raconté auprès de Nathalie Lévy comment il a vécu ses derniers moments en compagnie de celui dont il était très proche et pourquoi il a ressenti le besoin de coucher sur papier dans un livre ce qu'il a vécu avec l'homme d'affaires. Interrogé sur les mots durs et racistes que Bernard Tapie a pu tenir à son encontre, l'ancien footballeur a assuré ne pas lui en tenir rigueur et a expliqué pourquoi au détour d'une anecdote. L'ancien joueur explique alors qu'avant la mort de Bernard Tapie, mais pendant qu'il était hospitalisé à domicile, les deux hommes se sont parlé avec peu de mots mais beaucoup d'émotions. Il est en train de me parler et en fait il est en train de me dire qu'il regrettait pour certains mots, si est-ce pour ça que j'ai vraiment eu la volonté de faire ce livre, a expliqué l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Marseille, avant de poursuivre, parce que voir ce tapis là sur un lit avec des branchements partout et en train de vouloir parler en disant tu sais, mon black, sick, je t'aime, hein, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire je regrette certains mots, je suis content de ce qu'on a vécu enfin, tout y était en même temps, tout y était, quoi a-t-il dévoilé, ému. Obsèques de Bernard Tapie, sa veuve et ses enfants réunis pour un dernier adieu Bernard Tapie, l'adieu de son fils, Stéphane Basile Boli n'est d'ailleurs pas la seule personnalité à avoir voulu dire adieu à Bernard Tapie dans un livre. Le fils de l'ex-ministre de la ville, Stéphane Tapie, a lui aussi salué la mémoire de son père dans un ouvrage intitulé « Comment te dire au revoir », paru ce jeudi 12 janvier. L'homme de 53 ans est revenu sur les 4 derniers mois de son père qu'il a passé avec lui à son chevet et la complicité qu'ils ont développée lors de cette période. Auprès de nos journalistes, Stéphane Tapie a expliqué, il fallait que je profite d'être avec lui pour me créer de jolis souvenirs et qu'on se dise tout ce qu'on ne s'était pas dit. Pendant 4 mois, je suis donc chaque jour avec Tapie. Une période difficile mais qu'il ne regrette en rien. Crédit photo, panoramique.